Salut à tous, aujourd'hui je vais faire un unboxing d'un kit Harley Benton. C'est la guitare de forme Strat, alors c'est la moins chère mais je ne sais pas si c'est la plus facile. Allez, on est parti, go! Alors, pour trouver ce kit, vous allez sur le site Thomann, je pense que vous connaissez Thomann, et vous sélectionnez donc ce kit, le kit Strat. Voilà ce que ça donne une fois monté, enfin si vous la laissez couleur naturelle. Alors quand vous recevez votre colis de chez Thomann, voici à quoi cela ressemble. Une jolie boîte avec le logo Harley Benton. Allez, on l'ouvre, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc on voit que c'est plutôt bien agencé, bien fait. On retrouve deux manuels, donc pas de surprise, un manuel en allemand et un manuel en anglais. Alors j'ai pas un niveau exceptionnel en anglais, mais bon, ça suffit largement pour pouvoir lire. Je veux dire que le niveau n'est pas exceptionnel, hein. Vous allez comprendre. Au pire, vous faites Google Translate. Donc voilà, ça c'est le corps, plutôt bien impacté. Donc je suis assez surpris déjà par la couleur. Je m'attendais à une couleur un peu plus claire. Mais bon, je pense qu'avec le temps, si on laisse la couleur naturelle, elle va devenir beaucoup plus claire. Donc là, j'inspecte un petit peu là le dos. Franchement, le corps là, il a aucun défaut, du moins pas de défaut visible. Plutôt bien fini. Ensuite, on va passer à tout ce qui est micro, à castillage mécanique. Donc pareil, un petit coffret plutôt bien fait, voilà, la barre vibrato. On nous offre un joli petit jack, ça c'est un peu l'habitude de chez Thomann, ou du moins Harley Benton. Voilà, ça c'est le pickguard, les soudures sont plutôt correctes. Bon, voilà, on est clairement sur du très bas prix, hein. Pas non plus s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Voilà, même les boutons, ça fait un peu cheap, mais bon, pour le prix. Prise jack, enfin, plaque, support, prise jack. Voilà. La poche où se trouve la mécanique aussi, pas de surprise. Du standard Harley Benton, la mécanique de base qu'on pouvait retrouver sur plusieurs modèles en premier prix. Boîte en orange, et on va passer à la pièce, je pense, la pièce maîtresse qui est le manche. Vous pouvez avoir des défauts sur votre corps, vous pouvez avoir des défauts un petit peu sur l'électronique, mais sur le manche, là par contre c'est un petit peu gênant, il faut que le manche soit vraiment impeccable. Donc là, plutôt bien impacté, enfin minimum, mais bon, ça fait le taf. Voilà, et je suis très surpris quand même, parce que la qualité est vraiment... Pour le prix, elle est vraiment là, parce que j'ai des guitares Harley Benton où les frettes ne sont pas aussi bien polies, on va dire. Voilà, après le bois brut, bon, on n'aime pas. Mais j'étais plutôt surpris par la qualité du manche, à première vue, hein, à première vue, franchement, ça a l'air vraiment très sympa. Et c'est tant mieux, car je vous dis, c'est plutôt la pièce maîtresse de la guitare. On fait une petite approche entre le corps et le manche, voilà ce que ça donne. Impeccable, voilà pour cet unboxing. Plutôt sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, c'était juste l'unboxing. Je reviendrai avec une autre vidéo, avec le montage et normalement avec la couleur et tout le tout-team. Je vous dis à très vite. Ciao!